elle donne déjà un peu de fil à retordre du haut de ses 6 ans. Le 2 mai dernier, la princesse Charlotte a fêté son 6e anniversaire entourée de ses proches, à l'occasion d'une petite fête au protocole bien moins strict que celui de l'année passée, qui s'était déroulée en plein confinement. Cette année, la petite fille a eu la joie de pouvoir inviter une autre famille pour son anniversaire, comme l'a précisé son père, le prince William. Et si celui-ci lors d'une visite a déploré que ses enfants grandissent si vite, il se trouve qu'il n'a pas manqué également de souligner combien, en plus de grandir, sa fille développait peu à peu un caractère bien trempé. Si vous lui demandez, elle dit qu'elle a 16 ans, a ainsi plaisanté le duc de Cambridge, rapporte People. Et si l'on imagine qu'il peut s'agir pour elle d'une erreur de prononciation, il se trouve que la princesse Charlotte assimile désormais son âge à une certaine liberté. Charlotte dit, « J'ai 6 ans maintenant, je fais ce que je veux », a ajouté son père, qui ne cesse de l'appeler mignonnette, tandis que ses camarades de classe lui donnent un surnom beaucoup plus impressionnant, « Princess Warrior », à savoir « Princesse Guerrière ». Apparemment, elle a gagné ce surnom parce que de toute évidence, elle est une princesse, mais elle est aussi un garçon manqué, expliquait l'experte royale Cathy Nicole. La princesse Charlotte est la plus dynamique des enfants Cambridge, un surnom qui semble bien traduire le caractère déjà bien affirmé de la petite fille du haut de ses 6 ans, elle qui a désormais pour habitude de voler la vedette, bien involontairement, à ses deux frères, George et Louis. Et dans la famille royale, cette fougue est bien souvent réservée au deuxième enfant de la fratrie. La sœur de la reine, la princesse Margaret, avait une personnalité fougueuse, tout comme celle de Charlotte, et même elle avait du mal à être dans l'ombre d'un futur monarque, précise Cathy Nicole Wales Online, qui décrit la petite fille comme étant la plus dynamique et la plus extravertie des 3 enfants de Cambridge. Si est-ce cette force de caractère qui lui sera utile lorsqu'elle sera plus âgée, conclut-elle.